Je suis née à l'île Maurice d'un père chinois et ma mère, elle est métisse. C'est du côté de ma mère où il y a tout cet multiculturalisme qui est là. Moi, je me considère d'abord comme Canadienne d'origine mauricienne. Donc, pour moi, l'île Maurice a une place très spéciale dans mon cœur. On m'appelait comme créole chinoise parce que moi, j'étais mélangée, mais on a quand même cette communauté chinoise où on faisait beaucoup arriver le Nouvel An chinois pendant 3 jours, on fêtait. Et bien sûr, le plus important, c'est la table à manger. Tu sais comment on doit mettre 10 plats. Ça nous rappelle notre enfance, les odeurs, les parfums, les épices, tout ça, ça nous rappelle notre enfance. Et la nourriture, je pense, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, ça, dans n'importe quelle culture.